قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Frères et sœurs iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ça c'est une douzième session de As-Sirat al-Mustaqim. Pour qu'il nous montre le chemin droit, le pays bien suivre Coran, Hadith, Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ban Salaf. Nous finissons dire Ban Salaf, c'est trois meilleures générations qui finissent exister. Ban Sahaba, Ban Tabi'in, Ban Tabi'in. Donc nous dire, pour qu'il nous montre le chemin droit, le pays bien suivre Coran, Hadith et selon compréhension de Ban Salaf. Alors le terme Salaf n'est pas un terme qui est nouveau, mais ce terme-là finit être servi par plusieurs Ban savants. Le gars par exemple, Imam Az-Zuhri. Alors lui dire, je suis une jeune Ban personne parmi Ban Ulama Salaf qui type pince de cheveux avec les œufs l'éléphant. Alors donc ça montre nous qui Ban ulama qui servit le terme salaf. Abdullah ibn al-Mubarak dit abandonne hadith de Amr bin Thabit parce qu'il y a des gens qui peuvent ban salaf. Et comme ça même, nous gagnons Imam al-Bukhari qui lui fait un chapitre dans Sahih al-Bukhari, chapitre qui ban salaf, je peux garder ban nourriture dans cette la case. Cheikh bin Baz, rahmahullah, il finit dire Allah fin accorde une faveur à sa pays-là, pardonne-lui sa da'wa-là, sa da'wa bénie et veut dire al-da'wa al-salafiyya. Cheikh Uthamin, rahmahullah, lui dit Imam Ahmad, l'iti imam de ban salafi. Donc, ce terme-là, finit servi par ban savant dans le passé. Donc, il n'a pas un terme nouveau. Et comme ça même, ban frère et ban sœur iman, quand on dit parole de ban salaf et ban ulama, qui un musulman qui peut ou les manches le chemin droit, alors les paysans suivent ce qu'ils appellent ban salaf. Quand on dit parole de imam Abu Hanifa, nous dit parole de imam Malik. Alors, Imam Abu Hanifa, lui dire, concernant, suivre Ban Salaf, lui dire, suivre Athar, parole de Ban Sahaba et chemin de Ban Salaf. Et comme ça même, nous avons parole de Imam Malik, lui dire, quelque chose qui pas digne dans sa époque-là, veut dire l'époque du prophète, et ce Ban Sahaba, lui n'a pas capable d'in azoudi. Et comme ça même, nous avons parole de Imam Ahmad, qui lui dire, les principes du Sunnah chez nous, c'est cramponnement à ce qui ban sahaba du messager d'Allah, chiloula, et imite ban la. Alors donc, ça nous trouve l'enseignement de ban ulama dans les passés. Comment je te finis de l'importance pour suivre ban salaf? Comme ça même, nous gagne parole des Ibn Qudama, nous gagne parole des Ibn Taymiya, nous gagne parole des Ash-Shatibi, que tout, je peux dire, qui bien suivre ban salaf, veut dire suivre ban sahaba, ban tabi'in, ban tabi' tabi'in. Alors donc, ban frère et ban sœur kena iman, le terme salaf n'est pas quelque chose qui est nouveau dans sa dîna, mais il y a un terme qui finit être servi pour ban savant, et ban savant finit servi le terme pour dire suivre ban salaf, c'est la guidance. Alors nous terminons par la même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous suivre ban salaf et il accorde nous la guidance. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.